Paul, vous avez le plaisir de venir nous rejoindre. Anthony. Je tiens aussi à remercier Hervé Pouchon, toute mon équipe, Grillon, Mimi, Momo, Gérard, Clebon, Thierry, Eric, Jeannot, Florence, dit Balfraguette, et Piu Piu derrière qui, ben, grâce à eux aussi, nous permettent de pouvoir avancer tous ensemble. Les Zizi Top, vous ne voyez pas. Alors Zizi Top, parce qu'avant il avait une barbe vraiment à la Zizi Top, et il a pensé qu'en la coupant, il allait ramener beaucoup de jeunes filles. Alors je ne sais pas si ça marchait ou pas. Et s'il y a des célibataires éventuellement, on peut vous donner. Donc lui, c'est pas le 06, il est encore aux données. J'ai malheureusement une triste nouvelle qui. Enfin, j'ai appris il y a quelques temps de ça, et aujourd'hui, il y a nos amis, les CLAV, c'est les voitures américaines de Brive, c'est un club de voitures donc américaines qui nous suivent chaque année, qui sont là présents ce soir. Et malheureusement, ils ont enterré Jean-Luc aujourd'hui. Donc, par respect par rapport à Jean-Luc, c'est quelqu'un que je connaissais, on s'est déjà vu. Et par rapport à Julien et toute son équipe, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence, s'il vous plaît. Lors de cette soirée, qui pour nous, l'occasion de remettre à notre filleul Mathéo, qui est atteint d'une IMC, et pour qui on a œuvré toute l'année dernière, avec la soirée du 7 mars, au mois de septembre, notre journée anniversaire, les baptêmes tout au long de l'année, les sorties qu'on a pu faire à droite, à gauche, grâce à vous tous, aux dons qui ont été donnés, aux dons des partenaires, aux achats qui sont faits au niveau de la boutique. Enfin, tout ça a fait que on a œuvré donc pour Mathéo et on a décidé de lui faire quelque chose. Donc, j'ai demandé... papa, la maman, à Mathéo de venir nous rejoindre. Mathéo, on demande toujours aux parents ce qu'a besoin l'enfant. Parce que nous, c'est uniquement pour l'enfant. Ben, Mathéo vit dans un fauteuil roulant. Donc par rapport à ça, ils ont été obligés de faire une pièce supplémentaire, d'agrandir la maison, et de faire une pièce uniquement pour Mister Mathéo, où il va avoir donc sa chambre, la salle de bain, vue sur l'extérieur, les filles vont pouvoir venir, alors tirer la rigole, les grandes baies vitrées. Donc, on s'est dit, ben, au lieu de lui acheter, donc habituellement, on avait fait un bureau pour Nino, on avait fait d'autres choses, là on a dit, qu'est-ce que vous avez besoin? Ils ont dit, ben, pour les travaux, on aurait besoin de, éventuellement, deux, trois petites bricoles. Ok. Donc ils nous ont fait passer deux devis. J'ai dit, vous faites passer deux devis, on va choisir, on verra. Donc il y avait un premier devis qui était... Si je tiens aussi à remercier une chose, toute mon équipe, intérieur, extérieur, Grillon, Mimi, mon deuxième devis, Gérard, bon, les sanitaires, bon, Thierry, bon, douche, toilette, Eric, impeccable, Jeannot, Mathéo, Florence, nickel, Craguette, les filles vont venir, et Piu Piu derrière qui, ben, grâce à eux aussi, nous permettent de prendre ces deux sens. Les hésitants, je le voyais, voilà. Et deuxième, dans les hésitants, parce qu'avant, il avait une barbe vraiment à la Zizi Top. Donc, grâce. Et il a pensé qu'en la coupant, tout ce qu'il allait ramener pour une jeune fille. Alors, je ne sais pas si ça marchait. J'ai le plaisir de vous dire qu'on vous voit. Et s'il y a des célibataires, éventuellement, on peut vous donner. Donc, lui, c'est pas ça. On peut vous donner. On peut vous donner. On peut vous donner. Nous prenons à notre compte le règlement de deux devis que vous nous aviez confié, soit un montant total de 2 628 €. Donc, ils vont dire un petit mot. On est très touchés. Très touchés de l'attention portée pour nous, pour Mathéo. Ça fait du bien de se sentir soutenu. Voilà. On a passé, je pense, une bonne année. Ensemble, on avait vécu des petits moments sympas, notamment au mois de juillet. Ça nous a bien marqué et voilà. Mathéo était content, la sœur et la maman aussi, et puis moi, on n'en parle pas non plus. Ok, voilà. Bientôt le... Peut-être.
Voilà. Merci à tous et bravo encore. Et heureusement que des choses comme ça existent, parce que c'est vrai que ça fait chaud au cœur de se sentir soutenu. Voilà. Merci pour vous. Donc je le répète, c'est grâce à vous tous, c'est grâce à votre venue. Et comme quoi le monde motard, parce qu'il y a aussi des motards qui sont là ce soir, Ludo est aussi motard, et la solidarité motarde a fait que même le club à qui il appartient a voulu venir ce soir pour soutenir par rapport à ça. Donc c'est une grande famille et qui se rajoute vous aussi par votre venue. Donc encore une fois, merci. Maintenant, on est en 2015. Donc 2015, c'est pas comme on va oublier Mathéo, bien au contraire, et en principe, on garde de bons contacts et on continue à se voir. Mais on a par principe que chaque année, on prend un nouveau filleul. Donc cette année, notre filleul, il se prénomme Baptiste. C'est un petit garçon qui est âgé de 2 ans et demi. Il habite à Mialet. L'unique traitement qu'il a à faire, c'est une greffe de moelle osseuse. Cette année, on va œuvrer et pour lui. Et il faut savoir une chose, c'est qu'en attendant, le papa, il est séparé de son fils parce que le seul endroit où Baptiste peut vivre, c'est chez ses grands-parents. Et donc, toute la semaine, il est avec chez ses grands-parents, pardon, avec sa mère. Et son père qui est isolé, qui en fait donc les travaux actuellement à la maison. Donc on a décidé, on les a rencontrés, on va faire une photo, parce qu'on aura très rarement l'occasion de pouvoir le rencontrer. Il ne peut pas sortir dans beaucoup de lieux publics. S'il y a de la poussière ou quoi que ce soit, il ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas isolé, il vit. Hein. Il sort dans le jardin, il s'amuse, il fait comme tout autre enfant. Mais il y a des endroits comme là où s'il y a trop de monde ou quoi que ce soit, il ne peut pas sortir. Donc on fera une photo pour présenter malheureusement Baptiste. Nous, en ce qui nous concerne, on va s'apprêter bientôt à faire une sortie pour aller le voir de très près, qu'il puisse s'asseoir sur les motos éventuellement. Donc ce soir, vous venez, c'est aussi en partie pour Baptiste maintenant. Voilà. Et toutes les sorties qu'on fera et tout ça, à chaque fois qu'il nous accompagnerait cette année, sera pour Baptiste. Encore une fois, je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à très bientôt.